Alors oui, je suis pharmacienne d'origine et j'ai exercé la double activité pendant 5 ans car j'ai créé le Hara, il n'y avait rien à la base. Donc j'avais gardé mon métier de pharmacienne les premières années. Et je suis à temps plein éleveur depuis 2014 seulement. C'était Arcane française, une jument qu'on a achetée avec le Hara quand on s'est installé. Il n'y avait pas grand-chose. J'avais peu d'expérience au départ. Heureusement, j'étais assistée par quelqu'un qui avait plus de métier que moi, donc qui m'a un petit peu conseillée au départ. Mais on apprend toujours sur le tas. Et c'est vrai que c'était une expérience impressionnante. Et ça l'est encore à chaque fois. Ce sont des moments uniques. Je préfère l'élever. Je me souviens de ma première victoire en tant qu'éleveur et propriétaire, car c'était une jument qu'on avait conservée. Et j'avais la chance d'être allée aux courses ce jour-là. Une petite histoire amusante, j'avais une jument à saillir. La pouliche débutait à Argentan. Je suis allée à la saillie à l'époque de Raj Zaman. J'ai laissé ma poulinière chez un voisin qui me l'a gardée l'après-midi. Je suis allée voir ma pouliche débuter. Elle a gagné en débutant. C'était extraordinaire. Un moment merveilleux. La route du retour s'est faite toute seule. Monsieur Droyer-Dupré. J'ai eu la chance de passer une année auprès de lui à Chantilly, c'était des souvenirs exceptionnels. Prendre le mort aux dents et puis savoir un petit peu jouer d'écoute parce que le milieu n'est pas toujours évident au départ quand on s'installe, mais être passionné et aller à fond, c'est génial. Olivier Pellier, de par sa longévité, un jockey hors pair qui a un sens du cheval extraordinaire, mais il y en a beaucoup d'autres, Christophe Soumillon est pareil, quelqu'un de fantastique, et puis il y a tous les jeunes qui percent aujourd'hui, il y en a beaucoup. Celui qui fait un cheval de groupe? Non, pas spécialement, je suis pas fétichiste. Manquer de politesse. Le rugby. J'y étais. Et j'ai supporté et j'ai crié dans les tribunes. J'étais contre. Donc satisfaite que la nature ait repris le dessus. Un bon petit barbecue l'été avec des amis, un petit rosé bien frais, c'est rien de mieux. Ça va me rappeler un peu mon enfance, Titanic ou mon adolescence. Les chaussettes, des pâtes al dente. J'espère toujours ici, j'espère avec encore plus de gagnants et de nouveaux gagnants de groupe 1 entre autres.